Couh cool. ah, hein Vous n'avez pas encore vu ce tutoriel Alors allez le voir Bon, pour tous ceux qui l'ont déjà vu, restez avec nous, nous allons bientôt construire nos deux systèmes Wouhou Oh que oui, bienvenue dans ce tutoriel de Minecraft Zephyr pour un poulailler automatisé. Dans ce menu, vous allez pouvoir atteindre deux, euh, voire même quatre choix qui vont vous permettre de vous orienter sur ce que vous voulez le plus rapidement possible. Premièrement, vous avez... Euh, la construction du petit ainsi que son schéma pour bien comprendre comment il fonctionne même chose pour la version massive du système donc le poulailler le plus complexe donc la version euh, en schéma et après ça la construction bloc à bloc donc euh, pour ceux qui me connaissent pas qui connaissent pas mes méthodes le schéma vous permet de mieux le comprendre et la construction bloc à bloc de le construire avec aisance donc merci de regarder j'espère que je vous aimerai et nous voilà tout de suite avec le premier système euh, notre premier poulailler, celui qui est moins complexe mais moins coûteux, donc parfait pour le début d'un survival. Donc premièrement, on va regarder un schéma. Pour tous ceux qui ne sont pas habitués à ma chaîne, un schéma, ça va nous permettre de très rapidement comprendre les bases du système. Donc ici on a, euh, on voit ici qu'il y a deux systèmes qui se fonctionnent euh, dans notre poulailler. Donc le premier qui est le, lié à un levier, qui va envoyer de l'énergie dans... Ce que je vais appeler ici mon bloc rose qui symbolise un cœur. Les blocs de laine représentent des redstone gates. Donc, au lieu de refaire la redstone gate, je vous mets juste un bloc de laine rose, signifiant que c'est bel et bien un cœur. Donc, un cœur, qu'est-ce que ça va faire lorsqu'il va être activé? Il va envoyer euh, des pulsations à intervalles réguliers dans mon dispenser. Donc, si j'active ceci, on va avoir des pulsations à intervalles réguliers dans mon dispenser. Donc, 1, 2, 3, PAC. 1, 2, 3, PAC. Pendant ce temps-là, notre dispenser va tirer des œufs. 1, 2, 3, PAC. 1, 2, 3, PAC. Deuxième système, <coughs> on désactive notre cœur. Eh bien, juste ici, ça va être le bloc vert que je vais appeler notre, euh, notre barbecue. Donc, lorsque je vais activer le bouton, ça va activer notre barbecue. Tout simplement. Donc, vous voyez les deux principes, les deux systèmes de redstone que l'on va construire ensemble. Alors, passons à la construction. Alors, commençons tout de suite par la cuve qui va recueillir les poulets lorsqu'ils vont avoir été tirés. Donc, présentement, j'ai une bombe de 6 blocs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ces 6 blocs-là vont être extrêmement utiles. Ça va être notre euh, poteau où il va avoir notre échelle, juste là. Yay, yeah, super. Maintenant, on va construire notre bocal, donc notre endroit où vont être recueillis les poulets. Donc moi ici, je construis avec la vitre, mais vous pouvez très bien construire avec n'importe quel matériau que vous aimez. C'est juste que la vitre vous permet de mieux voir, tout simplement. C'est juste pour le côté compréhension du problème. Donc ici, maintenant, je remplis et juste ici, je vais mettre nos dispensers. Nos dispensers vont tirer sur une surface préférablement opaque, donc il n'y aura aucun glitch avec les poulets lorsqu'ils vont frapper. Les œufs vont frapper juste ici. Super. Maintenant, on va continuer notre super système et il va avoir notre trou juste ici. Qu'est-ce que va faire notre trou Ça va être ici que va se rassembler les poussins à l'aide d'un courant d'eau. Donc juste ici. Donc si on voit par dessus, on voit que ici notre trou va partir d'ici et on va devoir se rendre juste ici avec un bloqueur à l'aide d'une pancarte. Donc je mets de l'eau uniquement ici. Notre eau s'envoie juste ici et on tombe dans le trou. Je vous rappelle que ça s'en va par l'eau. Même juste ici, on voit que ça a l'air de creuser par là, mais si je lâche, eh bien, je m'en vais toujours à la même direction. Pourquoi faire un bocal si bas euh, en termes de... Pourquoi on n'a pas juste mis l'eau ici, voire même ici Eh bien, c'est que pour les poulets puissent tomber, parce que si euh, notre intervalle est trop rapide, bien, les poulets vont flotter ici, et ils vont se refaire tirer dessus par leurs congénères, par les œufs. Donc, ça va, être, euh, ça va être vraiment désagréable pour les poulets, voire même, ça va briser notre machine. Donc, ça leur permet de tomber bien peinard, et de se diriger rapidement vers le point de collection. Et on va maintenant construire notre cœur, donc la partie rose. Si vous voulez, pour la partie rose, je vais prendre, encore une fois, quelque chose de rose pour augmenter la mémoire. Donc, faire ça encore plus clair. Donc, ici, no no notre système, juste ici. Et on va se faire une espèce de, euh, je dirais, une forme en laine rose ou en n'importe quel matériau. Ici, rose pour vous permettre de mieux comprendre. Et on va faire, après ça, notre cœur. Donc, des répéteurs mis à quatre des deux extrémités, comme ça. Oups. Qui fassent le système. Et ici, de stone. Qu'est-ce que ça va faire Eh bien, vous voyez déjà ici que le système commence déjà à tourner. Donc, on voit que la redstone s'en va par ici, tourne. Le bloc envoie de l'énergie, s'envoie de l'énergie à la redstone. La redstone envoie un petit peu d'énergie ici. Le répéteur capte l'énergie du bloc, l'envoie ici. La torche capte l'énergie du bloc, l'envoie en haut. Et ainsi de suite pour faire une boucle infini. Donc, on vient d'atteindre l'infini avec la redstone, ce qui est très intéressant. Maintenant, on va tout simplement désactiver notre système en mettant un levier en-dessous. Donc, pour ceux qui ne savaient pas, on peut faire ça maintenant. Et on va le désactiver, ce qui va mettre fin à notre système. Donc, dès qu'on active, la cloque part. Et dès qu'on désactive, eh bien, la cloque finit. Pourquoi? C'est juste que en mettant la torche automatiquement euh, désactivée, euh, le circuit arrête. Donc même si j'envoie de l'énergie dans la torche ici et que je l'enlève, la torche ne va pas se remettre activée. Et donc notre euh, cercle infini est brisé. Maintenant, il suffit tout simplement de mettre euh, la redstone, donc connecter notre cœur à nos dispensers. Donc pour ça, on va mettre des blocs superficiels juste ici. Et on va regarder le bloc. Et on va placer notre redstone dessus. Comme ça, ça nous permet de placer de la redstone sur nos dispensers. Donc maintenant, si vous n'êtes pas sûr si vous avez bien fait le système, vous pouvez prendre une quantité X de n'importe de matériaux. Donc ici, j'ai pris du gazon. Et partir votre cloque et regarder si vos dispensers tirent bien. Donc ici, j'en ai mis juste dans un. On va mettre dans les deux. C'est bien. Et est-ce que les objets s'en vont partout? Ils s'en vont toujours au même endroit ça aussi, c'est parfait. Donc, on, vous pouvez désactiver votre super clock Bon, maintenant qu'on a notre système pour avoir des poulets, maintenant il faut bien avoir notre système pour recueillir les œufs et les griller. On va maintenant construire notre cuiseur, notre barbecue à poulet. Rappelez-vous que si vous voulez vous référer au schéma, vous pouvez en tout temps à l'aide de notre superbe bouton. Donc, maintenant, juste ici, je vais mettre notre piston comme ça, qui est directement en dessous du trou. C'est parfait. Et je vais prolonger notre trou comme ça en vitre parce qu'on aime bien la vitre. Comme ça, ça nous permet de voir ce que l'on fait. Et juste ici, je vais mettre notre dispenser. Donc maintenant, je suis emprisonné. Super. On s'enlève parce que, et voilà. Pas de problème avec ça. Et on va se mettre aussi euh, dans notre dispenser un seau de lave. Donc, seau de lave. Avant de le mettre, je vous conseille de d'abord faire vos tests pour voir si là, votre redstone fonctionne parce que vous ne voulez pas avoir des dégâts de lave. Donc, tout simplement, je vais le laisser dans mon inventaire en attendant qu'on termine le système. Maintenant, on va activer notre dispenser, donc on va le charger. Qu'est-ce que je veux dire par charger? Eh bien, si vous voulez un tutoriel plus apte à ça, vous pouvez aller voir mon tutoriel sur les Sentry. Mais ça, ça va nous permettre de tirer deux objets avec un seul clic de bouton. Par exemple, ici, j'ai euh, deux objets que je vais placer comme ça. Si je pèse sur mon bouton il va tirer deux objets. Donc, vous l'avez remarqué, alors que si je le désactive, mon bouton va tirer uniquement un objet, puis un objet. Tout simplement. C'est pour ça qu'on fait ça. Maintenant, on va se faire notre panneau de contrôle. Donc, ici, je le fais en vert, mais vous pouvez le faire de la couleur qui vous semble la plus jolie. Donc, ici, j'ai un L. Que va me permettre de faire mon L, juste ici? Je vais le compléter comme ça. Et là présentement vous voyez ça va être sur mon panneau de contrôle. Donc ici je vais avoir mon bouton pour cuire que je vais relier avec la redstone. Juste ici, j'avais fait le L pour vous montrer ce qu'on va faire, mais d'abord, il faut creuser un trou. Donc ici, je me mets un trou et je mets un repeater mis à 3, un repeater mis à 4 et un repeater mis à 4 aussi. Super. Maintenant, si on active le bouton, on voit que nos répéteurs fonctionnent et le piston est activé. Parfait. Maintenant, on recouvre de l'aine. Et maintenant, on fait tout simplement parcourir notre fil de redstone. Comme ça, on active. Et on mène notre saut de lave. Et voilà. Maintenant, cliquons. Super, ça a l'air de fonctionner. Mais on n'a toujours pas testé si ça fonctionnait avec les poulets. Donc, on va maintenant utiliser... Euh, ben, moi, ici, je vais utiliser tout simplement un spawn chicken. Mais si vous le faites dans votre monde survival, tirez les poulets. Et après ça, vous allez pouvoir essayer. Donc, notre poulet s'en va au bon endroit. Oui, super. Mettons qu'on attend 20 minutes pour la maturité. Super. On clique. Notre système fonctionne. Et vous avez juste ici votre petit trou pour recueillir les objets. Parfait. Donc, on a eu notre système. Il est parfait. Dernière chose, vous pouvez le rendre plus joli maintenant en ajoutant quelques blocs pour le rendre plus... Plus joli, tout simplement. Et vous pouvez aussi rendre plus utile en plaçant des échelles. C'est au choix. Vous pouvez aussi ne pas le placer. Mettre des coffres si vous voulez. Et vous avez le système complété. Donc félicitations. Vous voyez que ça prend presque pas de ressources. Et c'est très efficace. Si vous voulez aussi placer euh, des signes. Donc, juste ici, je l'ai en anglais. Des pancartes pour vous indiquer qu'est-ce que c'est. Donc, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de problème. Et. Euh, tout simplement comme ça, n'importe qui peut utiliser votre système avec brio, surtout qu'avec les vites, on voit exactement ce qui se passe. Et on passe maintenant à la construction de notre superbe système, donc extrêmement optimisé. Mais d'abord, je veux pointer deux trucs. Oui, ce système-là n'est pas le plus optimisé. Euh, Pourquoi automatisé, je veux dire. Pourquoi? C'est parce que je l'ai fait pour qu'il soit petit en taille et très faible en termes de ressources. Donc, ça paraît pas, mais on peut le construire beaucoup plus compliqué. Comme ici, j'ai un autre système qui est beaucoup plus coûteux en ressources, mais que lui est plus automatisé, tout simplement. Donc, vous avez juste une plaque de pression un levier et tout fonctionne automatiquement, donc euh, ça fonctionne très bien. Il est beaucoup plus automatisé, mais il est énorme et très coûteux en ressources. Oui, on pourrait le faire moins coûteux, mais c'est surtout que ce système là vous donne beaucoup plus de possibilités vu qu'il a beaucoup plus d'interactions avec lui. Aussi, on va pointer que mon système avait euh, un problème, mais je considère pas vraiment ça comme un problème. Je vais vous l'expliquer. Le gars me dit j'ai pas beaucoup d'œufs en partie. Je pars ton système et j'ai juste trois poulets avec tous mes œufs. D'accord. J'attends d'avoir de nouveaux oeufs, je les récolte, je m'en vais en haut et je mets ici, je remets des nouveaux oeufs, je repars mon système. Et euh, j'ai presque pas deux encore. Donc, j'attends et il y a juste quelques poussins ici. Mais les poussins vont être instantanément mélangés avec les autres poulets. Donc, il n'y a pas d'attente de maturité. Il n'y a pas d'incubateur. De, de, ben, eh bien, c'est tout à fait raison. Tout simplement pourquoi? Parce que ça rendrait le système beaucoup plus gros. Mais surtout... Euh, si vous n'avez pas d'eau ça veut dire que vous pouvez, vous voulez pas faire cuire vos poulets. Donc, c'est comme aussi une façon de se rappeler qu'il ne faut pas faire cuire ses poulets parce qu'on n'a pas d'eau tout simplement. Donc, euh, de toute façon, vous avez besoin deux, De toute façon, vous allez attendre 20 minutes pour avoir énormément d'oeufs. Donc, quand vous allez en avoir assez pour avoir une nouvelle vague de poulets, eh bien, dans, je ne sais pas moi, deux heures, eh bien, deux heures de récolte d'œufs, vous allez pouvoir mettre vos œufs à l'intérieur du coffre. Et là, cliquez sur « Barbecue » parce que euh, là, votre système va être prêt à se faire renouveler en termes de poulet. Donc, c'est tout simplement une petite... Euh, je pointais. Voyons voir maintenant le schéma du système. Donc, juste ici, on a un schéma qui est divisé en quatre. Donc, quatre catégories. Première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne. D'accord. D'ailleurs, très impressionnant que tout ça rentre dans un si petit circuit. Mais bon, on va, on va arrêter de se monter et on va plutôt expliquer... Euh, en quoi on, le système fonctionne. Donc ici on a notre système de base. Vous l'avez déjà vu pour tous ceux qui ont gardé le premier tuto, donc euh, la première partie de ce tutoriel. Lorsqu'on active le levier, ça l'envoie de l'énergie dans un cœur, donc le bloc rose qui représente un Redstone Gate cœur, qui va envoyer une pulsation régulière dans notre dispenser qui va nous permettre de tirer des œufs. Super. Donc ça c'est compris. Notez qu'ici vous voyez la couleur beige ici. Eh bien c'est la couleur beige juste ici. Donc euh, on comprend de où est le levier. Deuxième partie, c'est l'incubateur. Attention, cette partie-là est un peu plus complexe. Donc ici, on a notre incubateur avec une plaque de pression en bois. Lorsque nos poussins vont avoir grandi, vont devenir des poulets, eh bien, ils vont dropper un œuf parce que c'est ça qu'ils font de super. Donc, ils vont envoyer un œuf qui va activer la plaque de pression, qui va rentrer dans notre bloc bleu ici, nos deux blocs bleus, qui est une RS Norlatch, aussi appelée mémoire. Donc, ce que va faire notre mémoire, c'est ça, c'est une redstone gate représentée par deux lames. Mais elle va se dire, ok, je retiens qu'il euh, y a eu un œuf qui s'est posé. J'enregistre ça. Donc ici, on voit que notre courant est enregistré. Là, ce qui va arriver, c'est que l'œuf, même s'il disparaît, donc si notre œuf n'est plus là, eh bien, notre RS Non Latch va toujours avoir enregistré que l'incubateur, euh, la session d'incubage, oh, je ne sais pas si ça se dit, notre session de... Euh, je dirais de croissance de poulet est fini. Donc on va regarder encore une fois qu'est-ce que ça va faire. Notre poulet, notre œuf est activé. L'air s'enlache s'en souvient. Il va avoir de l'énergie là-dedans qui va faire changer le, la torche ici. Donc, notre torche se désactive. Et notre piston se rétracte. Comme juste ici. Donc si vous voyez, on met un œuf. Oui, je sais, c'est pas un œuf, mais... Ah! On recommence. Donc, on a notre œuf activé et vous voyez qu'ici, ça s'est rétracté. Parfait. Super. Donc, on reste avec ça. Je reviens à notre système. Super. Maintenant qu'on a compris cette ligne-là, on va revenir à celle-ci. On va laisser celle-là pour tantôt. Donc, mettons que cet œuf-là a disparu. Ça, ça va être notre système de barbecue. Donc, la laine rouge, lorsqu'on va l'activer, vous voyez que la laine rouge ici, c'est tout simplement la laine rouge ici. Donc, pas de problème. Zéphyr, on s'en rappelle. C'est parfait. Donc, lorsqu'on active ça, le, notre piston ici va se réduire et c'est juste à ça que ça sert, c'est dire, OK, on veut que les, euh, les poulets se rendent dans la zone barbecue. Donc, on va le voir ici. Si je pèse ça, la laine se rétracte et l'eau s'en va jusque ici, guidant les poulets dans la zone barbecue. Parfait. Et ici, on a notre dernier système. Lorsqu'on va faire, voir ce qu'on va peser sur le bouton ici, qui est le bouton barbecue. Lorsqu'on va pousser, il va avoir deux actions. Premièrement, le redstone va se rendre ici, dans le bloc de laine vert, qui représente notre système de barbecue, donc ce qui fait griller les poulets. Et le système, la redstone, va aussi aller ici, qui va aller dans notre mémoire. et va dire, OK, mémoire, oublie tout. D'accord. Ce qui va rétracter ça. Donc, on le voit ici dans notre système. Lorsque je vais peser sur barbecue, regardez bien le bloc ici. Donc, en même temps que ça cuit... Notre bloc va se réactiver comme ça. Pff, va se repousser. C'est parfait. Et notre poulet va être cuit. Donc vous venez de voir tous les fonctionnements qu'il va y avoir dans notre système. Passons à la construction. Alors basiquement, il va falloir construire tout simplement la, la structure principale. Donc, on va clonquer 10 blocs. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, parfait. Donc on a 10 blocs ici qui vont être nos blocs avec notre échelle. Notez qu'on va devoir creuser un peu sous terre. Donc prévoyez-vous un petit peu plus de blocs euh, vers le bas. Maintenant, on va construire l'endroit où il va y avoir nos poulets. Donc euh, où vont être tirés notre poulet. Donc juste ici, on va avoir la place où il va y avoir les dispensers. On va plaquer un bloc de vitre en dessous pour mieux voir. Et on va se faire une ligne comme ceci. Donc on va se mettre des dispensers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parfait. Donc, juste ici, on voit le système est parfait. Donc, pourquoi 7 dispensers? Eh bien, c'est tout simplement le chiffre magique. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est pour nous donner un meilleur espace. Vous allez voir quand je vais construire. Maintenant, il faut notre espace. On va recueillir nos poussins. Donc, c'est là que vous allez voir, nos poussins ne vont pas être collés au dispenser. Donc, on va se mettre encore une fois 3 d'espace. On va se remettre des blocs vers le haut et on va mettre notre système comme ça donc des blocs matures donc des blocs pleins pour que nos poulets nos œufs se percutent là-dessus pourquoi un si large bassin donc vous avez remarqué que notre oups, que notre bassin est large en effet eh bien c'est pour permettre aux poussins de ne pas se blesser donc euh, d'avoir euh, je veux dire si on a un œuf on a la chance qu'un œuf produise un poussin on veut pas qu'il meure donc c'est pour ça qu'on va le faire comme ça super on peut casser ces deux blocs là si on veut bien optimisé. On va continuer notre, notre bassin à poulet. Comme ça. C'est parfait. Et on va pouvoir mettre de l'eau. Donc, on met notre eau comme ça. Super. Donc, ici, on voit que notre eau ici n'a pas fonctionné. Donc, on met juste un bloc comme ça. C'est parfait. Et maintenant, on va bloquer ce bloc-là. Donc, on va mettre un bloc comme ça. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que... Même en étant ici, notre, bloc va, notre courant d'eau va toujours nous diriger vers un seul et même point. Donc si vous n'êtes pas sûr de ça, prenez-vous une quantité de blocs industriels et tirez-les partout. Donc avec la touche Q dans ce qui concerne mes contrôles. Je ne sais pas si c'est différent ailleurs. Vous allez remarquer que les blocs vont toujours aller au même endroit. Donc hein, Et voilà, tout simplement au même endroit. Comme ça. Super. Ah, oh, il y a resté un. Bien. Alors, vous remarquez qu'on n'a même pas eu besoin de signes. Eh bien, c'est parce qu'on a utilisé cette dispenser. <laughs> Merci, zéphir. Excellente astuce. Donc, maintenant, on va faire notre petit trou. Donc, juste ici, on se fait encore une fois notre, notre canal. Donc, ici, ils vont se rendre, comme ça, et on les fait chuter de trois blocs. Donc, un, deux, trois blocs. Donc, ici, ça va être le reste de notre poulet. Donc, ici, je vais le mettre foncé donc euh, je vais le mettre en bloc plein pour que vous puissiez le voir et on fait un nouveau euh, je dirais une ça fait comme un Z oh mon dieu qu'est ce que c'est mon zèbre donc ça va comme ça le courant d'eau va aller par là et nos poulets vont ensuite aller par là pour tomber ici donc maintenant on surfait encore un canal de 2 de haut pourquoi 2 de haut c'est que si un poulet touche à l'eau il va sauter donc il peut pas mon il peut pas aller dans un canal de juste un de hauteur. Donc, pour augmenter la performance du système, on le met de haut. Et voilà, super. Et maintenant, on fait notre trou ici. Et on s'arrange parce que ça va être ici que va être notre barbecue. Donc, et voilà, là on a les, la structure, je dirais, le squelette de notre système. Et maintenant, on va rajouter toutes les techniques à l'intérieur. Et on va maintenant faire notre cœur, donc la première partie, la première ligne de notre schéma. Ici, on va mettre notre levier, c'est lui qui contrôle tout. Super. Et maintenant, on va mettre nos, notre cœur, donc ici, représenté par un bloc rose. Comme ça, on va mettre la redstone comme ceci. Donc ici, on voit très bien que c'est une pyramide de torches. Et maintenant, on va voir comment fonctionne notre circuit. Donc c'est exactement le même que pour l'autre système, pour tous ceux qui l'ont regardé, qui n'ont pas fait moins chaud tout de suite euh, au plus high-tech. Je regarde aussi le petit. Eh bien, je vous respecte, vous aussi. Donc, 4 comme ceci. Une torche. 4 comme ça. Une torche. Euh, pas une torche. Un euh, morceau de redstone. Comme ça. Donc lorsqu'on va activer, notre cœur va partir. Super. Maintenant, il faut tout simplement lier notre, nos dispensers avec notre cœur. Donc, en mettant de la redstone ici. Vous voyez que la redstone est à intervalle régulier activée. Et maintenant, vous connaissez la technique, mais on va la refaire pour ce qui est des dispensers. Pour leur mettre quelque chose dessus, il suffit de regarder la redstone. Donc, pointer notre redstone vers le bloc devant nous. Et de faire ceci. Et voilà. Donc, on pèse. Et voilà, tous nos systèmes sont reliés. Super. Maintenant que tous nos systèmes sont reliés, on va désactiver notre horloge car elle est terminée. Super. On a déjà une partie de fait. Maintenant, on va faire le reste de notre panneau de contrôle. Pourquoi Eh bien, ça va nous aider par la suite. Donc, ici, on va avoir notre détecteur d'œufs, notre détecteur de maturité de poussin, et aussi notre barbecue qu'on va illustrer avec de la laine rouge. Super. Comme ceci. Donc, on peut tout de suite le marquer, si vous voulez. Barbecue. Super. Donc, on a nos deux détecteurs ici. Et on va maintenant faire un des trucs les plus compliqués du système. En fait, ce n'est pas vraiment compliqué, mais c'est une des bases du système. Donc ici, je vais le remplir de blocs comme ça. Et je vais mettre une pancarte. Comme ça, si je mets de l'eau juste ici, donc si je mets de l'eau, notre, euh, notre eau va parcourir tout le système sans problème. Mais il va avoir un trou. Donc peu importe si je jette un objet, oops, un objet ici. Donc si je jette un objet, je lance. Eh bien, il va toujours se retrouver au bon endroit, notre détecteur d'œufs. Super. Maintenant, je rebouche le système. Je reprends notre œuf et on remarque que ça tombe dans notre euh, cuiseur. Donc, c'est pas ça qu'on veut qu'il arrive. On va mettre une pancarte juste ici. Super. Ça vient de couper notre système, ce qui est parfait. Nos poulets vont juste se rendre ici et vont tomber. Bon, maintenant, juste ici. Euh, comment on va faire ça? Comment on va faire pour que ça fonctionne? Eh bien, allons voir tout de suite. Ça va être notre, notre autre partie. Maintenant, c'est là où on fait notre deuxième ligne. Donc notre deuxième ligne, c'est la partie avec l'AS latch, l'incubateur et plein de logique. Donc qu'est-ce qu'il faut premièrement C'est mettre un bloc de verre juste ici. Pourquoi Eh bien c'est parce que si on veut briser un bloc, donc si on veut tirer le bloc juste ici, ce qu'on va faire avec un sticky piston. Donc je me place des blocs superficiels juste pour pouvoir le placer. Si on tire notre sticky, on veut que l'eau puisse tomber ici, et si qu'on active notre sticky, on veut que l'eau cesse de tomber. Donc comme ça. Parfait. Pourtant, on veut pas que ça fasse de dégâts, d'où le verre juste là. Parfait. Maintenant, on va laisser tomber comme ça parce que ça fonctionne très bien. pas besoin de stresser avec ça. Maintenant, on va mettre deux autres sticky pistons qui vont eux être liés à des blocs beige comme ceci. Donc vous les placez rapidement nos blocs beige comme ça. Et on va faire mettre aussi nos sticky. Donc pour ceux qui vont avoir de la difficulté à placer vos sticky, vous pouvez tout simplement arrêter l'eau. Donc briser votre source. Venir ici. Placer vos sticky piston. Placer vos blocs beige et ressortir gentiment. Comme ça. Donc maintenant on a placé nos blocs beige et on a placé notre sticky. Que vont faire nos sticky? Tout de même simple. Donc comme ça. Nos sticky, lorsqu'ils vont être activés. Comme ça, eh bien, ils vont bloquer. Ils vont nous faire un blocage qui va permettre la période d'incubation. On va remettre l'eau et vous allez tout de suite comprendre comment ça fonctionne. On remet l'eau juste ici. Super. Oups, je l'ai enlevé. Donc, on remet l'eau juste ici. Super. On remet notre morceau de vitre et là, on voit que les poulets, les poussins vont tomber ici. Ce qui va se passer, c'est comme les poussins flottent ici, lorsqu'ils vont avoir un œuf, ils vont pondre juste ici. Maintenant, on veut Relier, on veut que notre système soit inversé. Donc ça, c'est notre, si notre euh, système placé en fonction incubation. Et euh, juste ici, on veut que, attention, vous allez voir toute la magie du système. On veut que lorsque ça ici, ça soit activé. Donc vous voyez le système de redstone que j'ai fait ici. La redstone envoie de l'énergie au bloc là, qui envoie de l'énergie à notre torche ici, qui envoie de l'énergie uniquement à ce piston-ci. Et ici, la ton qui envoie l'énergie uniquement à ces deux blocs-là. Donc, lorsque ça, ça va être activé. Ça, c'est en mode incubation. Et vous voyez que lorsque je vais inverser le signal de la torche, donc lorsqu'ici, ça va être faible. Donc, lorsqu'ici, ça va être éteint. Ça, ça va être ouvert. Donc, ici, le bloc va se pousser. Et ici, ça va être fermé. Donc, ici, les blocs vont se retirer. Comme ça. Donc, vous voyez déjà que notre système fonctionne. Donc, ici, c'est en mode produiser des œufs. Et ici, c'est en mode incubation. Super. Maintenant, on va faire la logique derrière ça, donc que notre détecteur va détecter qu'il faut maintenant que nos poussins aient grandi. Comment on va faire ça Eh bien, tout simplement en reliant ceci à une RS NOR latch. Donc, on va faire en bleu parce que on avait dit que ça serait en bleu. On va creuser un trou hein, pas de gêne avec ça, on creuse un trou. Oh mon dieu, de la terre. Oh mon dieu. Bon. Maintenant, on place notre Pattern d'RS Norlatch, donc c'est une RS Norlatch, pardon, de base, pour tous ceux qui sont habiles avec la redstone, vous l'avez sûrement déjà vu. Donc, juste ici, ça fonctionne très bien. On met ça comme ça. Donc, lorsque ici, c'est activé, notre système est en mode euh, « les poulets produisent des œufs ». Et lorsque le système est désactivé, donc on va se placer des boutons pour nous permettre de faire un contrôle comme ça. Donc, lorsque notre système est désactivé, c'est en mode incubation. Maintenant, vous allez tester si ça fonctionne. Donc, ici, la redstone n'est pas activée. On met un œuf. Oups, on met un œuf. OK, ça a activé la redstone. Et là, maintenant, c'est en position œuf. Parfait. Maintenant, on veut s'occuper de notre système barbecue. Donc, premièrement, on va placer notre levier et ça va être juste ici. Parfait. Là, le barbecue, vous l'aurez compris, si on veut le faire... À bien fonctionner, il ne faut pas que ça interagisse avec notre redstone juste là. Donc, on va briser nos blocs juste ici et on va placer nos répéteurs comme ça, mis au minimum de délai. C'est juste pour pas que ça se touche, donc ça s'entretouche comme ça. Et maintenant, on peut placer euh, très rapidement notre redstone juste ici pour les lier à notre système. Donc, ça va être ici, nos blocs. Parfait. Pour tous ceux qui ne veulent pas se casser la tête, vous pouvez désactiver votre eau, comme ça, parfait. Vous rentrez dans votre système. Vous prenez vos sticky pistons. Vous les placez comme ça. Et vous placez vos blocs rouges. Donc, laine rouge, s'il vous plaît. Comme ça. Et vous ressortez tout bonnement en replaçant la vitre pour être sûr qu'il n'y ait pas aucun dégât d'eau. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec notre système C'est que on va le faire euh, aller juste ici. Donc, comme ça. Comme ça. Et puis comme ça, qu'est-ce que ça va faire C'est que lorsque notre redstone comme ça, donc lorsque la redstone va aller dans le bloc, ça va désactiver la redstone qui va, elle désactiver notre système. Donc lorsque je vais abaisser le levier, les pistons vont se rétracter. Ce qui est parfait. Pourquoi les deux pistons s'est activés Donc premièrement, il y a de la pluie. J'aime pas ça. Donc pour tous ceux qui ne connaissent pas ce code là, je vous le donne. Donc tout all... Down, Yay! Donc dans quelques secondes, ça devrait être réglé. Donc maintenant, euh, c'est ça. Lorsqu'on va abaisser notre levier, les deux pistons vont se retirer comme ça. Et pourquoi les deux pistons sont actifs lorsque je relâche le levier comme ça? C'est que la redstone envoie de l'énergie au bloc. Donc l'énergie du bloc est captée par le piston juste en bas. Et on met de la redstone par-dessus. Donc notre piston est aussi actionné en haut. Parfait. Les deux pistons vont donc être actionnés en même temps. Maintenant, on peut boucher ça parce qu'on s'entend, notre détecteur d'œuf n'est relié à aucun système. Ça, c'est vraiment libre à vous. Si vous voulez le lier à un système, pas de problème. Donc, vous pouvez faire passer la redstone juste ici, faire lier le système, dire « Moi, je veux que ça active, je sais pas moi, une redstone clock ou une autre lumière plus loin. » Donc, comme ça, qui va s'allumer dans votre base. Donc, encore une fois ici, c'est libre à vous. Super on va faire maintenant notre bouton. Donc ça, ça va faire fonctionner la cuisson. On place notre bouton. On place de la redstone. Parfait. On remarque, on va faire aussi notre construction du système. Donc juste ici, j'ai besoin d'une laine. D'un dispenser. Comme ça, c'est parfait. D'une laine en dessous aussi. Notez qu'ici, je le fais en laine, mais c'est une mauvaise idée parce qu'on utilise de la lave. Donc vous ne voulez pas prendre de chance, honnêtement. Maintenant, je lève comme ça. On va mettre notre levier juste ici pour augmenter la puissance du dispenser. Donc, vous remarquez que je ne place pas tout de suite la lave dedans. Eh bien, c'est tout simplement par sécurité. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec la redstone? Donc, très bonne question. On va la faire descendre comme d'habitude. Donc, ici, on voit notre descente habituelle. On va placer un répéteur mis à 4 juste ici. Redstone, redstone. Euh, répéteur mis à 3. Et ré répéteur mis à 4. On va maintenant placer un bloc ici, de la redstone ici. Pourquoi? Eh bien, tout simplement euh, pour euh, euh, diminuer le nombre de redstone qu'on a besoin. Parce qu'ici, notre bloc va être quand même envoyé de l'énergie dedans. Donc, euh, la redstone s'en va ici, remplit l'énergie le bloc qui est capté par le répéteur. Donc, jusqu'à maintenant, ça marche. Mais, il faut aussi notre système qui s'en va directement comme ça dans notre euh, dispenser donc juste ici. Juste à maintenant, ça fonctionne, j'ai l'impression que ça va fonctionner à 100%. Donc ici, on a notre système, vous voyez, ça a été activé ici. On va mettre la lave pour voir si ça fonctionne. Super. Parfait. Notre système fonctionne bien. J'enlève la lave encore une fois par précaution. Mais on se rappelle qu'il nous faut un reset de notre système juste ici. Donc un reset. On va regarder c'est quel côté qui nous font un reset. Je vais l'activer juste pour le faire fonctionner. J'enlève. <coughs> Et on voit que pour reset notre système, il va falloir peser sur ce bouton-là. Et donc sur ce bloc-là. On va creuser. Et maintenant, on va se faire un trou. Comme ça, super. On va se placer de la redstone qui rentre directement dans le bloc-là. Et comme <coughs> par magie, notre redstone va arriver ici. Super. Donc, vous avez votre système complet par rapport au brûlage. Oh oui, c'est vrai. Le saut de lave, encore une fois, précaution. Et maintenant, voyons voir, ça fonctionne. Super, ça fonctionne très bien. Maintenant, il ne vous reste plus que les détails à beauté pour finir votre super poulailler de zéphyr. Donc, juste ici, on met euh, des blocs par terre comme ça. Parfait, un classique. Ici, on se les garde les deux derniers pour des coffres comme ça, parfait. Ce qui vous permet de voyager ici, de remplir vos dispensers, d'aller chercher des œufs. Si vous êtes bon en saut ou si vous avez un beacon block, vous pouvez augmenter votre saut ou mettre tout simplement si vous voulez une marche ou n'importe quel autre système pour remplir vos œufs comme ça déjà. Ici, vous pouvez alors modifier votre système comme bon vous semble, marquer votre indication pour vous permettre de vous y retrouver rapidement ou de euh, tout simplement indiquer à des gens qui voudraient l'utiliser vous pouvez tout cacher si vous voulez donc faire prendre ça puis euh, l'espandre comme ça puis faire ça comme ça donc le cacher tout simplement c'est vraiment libre à vous c'est libre à votre imagination dans le fond donc c'est ça qui est merveilleux avec ce système c'est ses possibilités quasi infinies mais moi je vous avoue j'aime mieux le système lorsqu'il est à découvert parce qu'il mérite euh, le détour comme ça. Yeah Ici, vous remarquez que c'est l'endroit pour prendre euh, vos poulets lorsqu'ils sont cuits. Donc, encore une fois, je vous recommande de faire 2-3 tests pour voir si vous avez bien copié le système. Et si oui, euh, si vous l'avez amélioré même. Donc, si vous avez dit, ah oh, moi Zéphir, j'aime mieux juste pas avoir un détecteur d'ici, je vais faire une rigole qui va l'amener dans ma base. Ou, euh, je sais pas, n'importe quelle autre option. Comme ici, je veux que lorsque je clique sur un bouton, euh, le piston ici se rétracte pour aller dans un canal d'eau, donc c'est très possible, vous pouvez le bien le faire. Je vous rappelle que c'est un système de base et que vous pouvez vous le modifier à votre souhait. En conclusion, j'espère que ce système vous a été utile. En fait, c'est système. J'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. Laissez-moi un j'aime, laissez-moi un pouce vert si vous avez aimé ou des commentaires pour vous dire comment vous l'avez fait, comment vous avez apprécié le système. Si mes explications étaient, étaient claires aussi, vous pouvez commenter sur tout. Donc, merci d'avoir été sur la chaîne de Minecraft Zephyr et restez à l'affût, car des tutoriels de cette qualité, je vais en avoir toutes les semaines. Donc, merci d'avoir regardé. C'était Zephyr pour sa chaîne Minecraft Zephyr. Merci.